Allez, salut les amis, heureux de vous retrouver pour la suite dans Medieval Dynasty. Je suis toujours dans l'année numéro 8 et je viens de basculer en automne et je vous retrouve car, tenez-vous bien, le héros du roi est venu nous rendre visite, il est à Gostovia, donc je vais essayer avec vous de faire plaisir au roi. On va voir exactement ce qu'il souhaite. On va essayer de faire ça ensemble. Salut Bratomir! Salutations, je suis support de sa majesté. Super, le roi Gustave I le bienveillant. S'il est bienveillant, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai une tâche pour les gens de cette ville. Ah, c'est quoi alors? Que souhaite le roi? Après une longue campagne, nos armées ont besoin de plus de nourriture. Le roi m'a ordonné à ses villages de fournir cette nourriture. Et ben, on va fournir de la nourriture. Eh ben, c'est nickel. Maintenant, on va aller voir à quoi ça consiste exactement. Donc, le journal, allez, le défi, soldat affamé, c'est un mauvais soldat. Ok, alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut du blé sans blé, il veut 50 viandes et de... la chair à poisson. Bon, bah ça va pas être compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est peut-être le blé. Je suis en train de réfléchir parce que moi j'ai des graines de blé, mais j'ai pas du blé pur. Donc il va peut-être falloir que j'en achète là-dessus. Du coup, on va tout de suite modifier notre organisation puisque je n'ai personne qui est à la pêche. Donc il va falloir que je mette quelqu'un. Donc qui je vais pouvoir mettre rapidement. Bah, je vais peut-être enlever quelqu'un ici des fermières là, ouais, hop, on va enlever la Dragomira, on va la virer et on va la réaffecter à la cabane de pêche, comme ça on pourra avoir notre chair de poisson. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, nous, on va pouvoir peut-être collecter le blé à gauche ou à droite. Alors, ça tombe bien. Ici, on en a un qui vend. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Normalement, ici à la grange, je ne me souviens plus qui c'est. Le monsieur, là, normalement. Voilà, Edwin. Hello there. Allez, fais-moi voir ce que tu as, du blé. Ouais. Et puis, il a 56 blés. Bah, allez, on va tout acheter. Et voilà, comme ça on aura plus que 44 blés à faire. Goodbye. Goodbye. Et puis comme on est dans le coin, on doit pouvoir parler à Alvin. On va aller le voir. Il est resté sûrement à l'endroit où je lui ai appris à tirer à l'arc. Parce que franchement, hein, vous avez vu que j'étais bon. Hein. Ah là 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 là. Alors il est là. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Alors, il y en a un m'a entraîné, je passe le chasse le gibier, puis j'entends, ok, d'accord. Tu vas pas me demander d'aller chasser un ours, hein. Alors, là, 8h, tu as un ours, et aussi si j'admettrais que vous êtes le meilleur chasseur. Vous avez vu, j'ai tué un ours. Non. Ok, donc on va vérifier ça. Donc qu'est-ce qu'il veut? Effectivement, il veut que je chasse un ours. Et j'ai 8 heures pour chasser un ours. Alors, ouh, les amis, c'est pas facile parce que, bah, souvenez-vous, on a quand même un petit peu galéré. Hein. Donc ce qu'on va faire... alors, est-ce qu'on est équipé déjà pour aller chasser l'ours? On a des flèches. Oui, on a 10 flèches. Ça peut peut-être le faire, hein. On va courir vite fait. Alors, il m'a dit au sud-est, donc on va regarder la carte. Le sud, c'est par le bas, normalement. L'est, c'est par là. Donc, il devrait y en avoir ici. Alors, je sais que de mémoire. De toute façon, on sait qu'on en a un ici. Donc, je pense qu'on va plutôt aller là pour chasser l'ours. On va tenter ça. On va tenter ça. Je vois qu'il y a encore du monde avec des quêtes dans le coin. Je vais peut-être voir ce qu'il veut. Tant qu'à faire, ça fera une quête de plus.
C'est toujours ça. Hop, alors. Ouais, c'est là-haut. Ouh, il y a même plein de monde qui veut des trucs. Alors, la cuisinière. Hello. Allez, on va essayer de l'aider. Qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est de nombreux animaux rouges, vraiment dans le village. Bon, elle veut que je tue des bêtes, ça je peux le faire. On est début de la saison, ça peut le faire. Ok, hey, on va vérifier que, au cas où, elle n'ait pas du blé à nous vendre. Ce serait bien si elle en avait un, hein. J'y crois pas trop, normalement. C'est pas... Ah, elle n'est pas connue pour ça. Goodbye. Goodbye, salut. Alors, ensuite... Nos amis des vaches. Lui aussi, il a besoin de quelque chose. How can I help you? Allez, je vais essayer de t'aider. Nourriture, donc il veut de la nourriture, nous apporter du grain. Bah, le grain, je pense que j'ai pas mal de trucs à faire. Donc ça, ça peut être pas mal. Donc la chasse de nuit, c'est quoi? Il faut que j'attende le lendemain, donc je sais pas ce qu'il faut que je sache. Culture détruite, il veut 31 grains de blé et 24 de seigle. Donc ça, pas de souci. On va pouvoir lui donner assez facilement. Et du coup, et oh, on se calme les vaches là. Non mais oh. On se bénir à... Tu aspires, tu sais que patron ici. Hein. Bon, allez, nous, on va partir à la chasse à l'ours. Je suis pas des plus confiants, les amis, mais c'est pas grave. On va y aller quand même. Alors, on va employer les chemins de traverse. On va mettre la carte, puisqu'il faut qu'on aille. Non, alors, je vais changer mon repère. Normalement, il faut qu'on aille ici. Voilà, tac. On va aller par les champs, tranquillou. Bon, on va prendre la même tactique que d'habitude. Hein. On tire une flèche, on court, on se cache. Je vois que ça, hein, mais pour pouvoir s'en sortir. Je vais sauvegarder aussi à l'avance. Pour me faire avoir. Ça, vous me l'aviez déjà dit. Ça m'évitera de recommencer et de perdre ce que j'ai fait. Allez les animaux, j'en ai pas contre vous là. Allez, on arrive à 70 mètres du lieu de rendez-vous, si j'ose dire. Alors, on va sauvegarder. Je vais faire ça, hein, quand même, par sécurité. Les amis, c'est plus simple. Donc ça, on sera déjà au moins tout près, ici. Voilà. On va prendre notre arc. Et on va y aller. Voilà, normalement, c'est par là. Alors, on va faire comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. On va prendre un peu de hauteur avant de faire quoi que ce soit. Voir si l'ours est bien par là, s'il y en a ou pas. Je ne sais pas s'il n'y en avait pas deux une fois. Ah si, on en voit un déjà là-bas. Donc il y en a au moins. Ça, c'est sûr. Et on va essayer... mettre au moins une flèche ou l'opinée. Donc il baisse une sabelle, il y en a un deuxième. On va se calmer. Alors lequel on va commencer? Un, c'est dur. Alors deux, faut quand même pas exagérer. Il se planque là. Essayer de l'avoir carrément du haut là, parce que je pense qu'il va un peu plus galérer pour grimper. On va essayer d'être malin. Voilà, je pense que là déjà il aura un peu plus de galère à venir nous chercher. Il s'est barré? Non, il se barre. Il ne bouge pas pour l'instant.
que je vois qui c'est lui. J'aurais plus de flèches, moi, là. Ouais, surtout pas qu'il se barre sur vers le deuxième, ouais, c'est un peu ce qui se fait là. Le bougre. Alors, il est où? C'est rebarré. Alors, je vois que je peux parler à lui, mais ça veut dire est-ce qu'il est mort? C'est possible ça, hein, j'ai peut-être pas fait exprès, mais... Ah si, j'ai dû l'avoir, il a dû mourir. Donc on va aller voir ça de plus près, récupérer un peu tout ce qui va bien. Et si possible, récupérer nos... Ouais, il est là, il a mouru. Eh ben écoutez, ça s'est super bien passé, hein. Je sais pas combien j'ai de flèches à récupérer. Donne-moi mes flèches. J'en ai récupéré que 4, 2, voilà. Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez, hop, je me suis perdu, j'ai pas pu au bon endroit, bien entendu. Voilà. Je l'avais pas vu venir celui-là. Voilà, on va pas faire les malins. Hein. On va pas faire les malins. Bon, du coup, ça c'est top. Ça c'est fait. Oh, j'en reviens pas. Vous avez vu ça? Alors, je vais remettre mon repère de carte. Toujours F. On va remettre ça vers mon village. Voilà. Et. On va aller chercher ce qui va bien, les graines, tout ça de ce qu'on a besoin. Ce serait pas mal. Hop, voilà, c'est par là. Bon, bah voilà, une chasse bien menée, hein, effectivement. C'est cool. C'est cool. Je pensais mieux galérer que ça, mais on s'en est bien tiré. Bon, bah voilà, donc du coup, on aura résolu le nouveau défi d'Adwin et il pourra admettre qu'on est le meilleur chasseur de la région. Et qu'il puisse le faire savoir quand même, hein. C'est important. Allez, go. Voilà, on va essayer de faire ces petites quêtes tranquillou, ça fera l'épisode, je pense. Et puis pour la suite, voilà, je pense que je vais essayer d'agrandir un peu le village, construire un petit peu des nouvelles maisons pour accueillir des nouvelles personnes en perspective des nouveaux bâtiments. J'ai normalement débloqué l'abri à bois niveau 2, donc ça aussi il faut que je m'occupe à transformer l'ancien, le niveau 1 en niveau 2. Et ce serait pas mal. Hop, on va récupérer les graines. On va récupérer les graines. Donc
que j'ai besoin. Alors, on va aller vérifier ce qu'il nous faut. Donc lui, c'est 31 de blé et 24 de seigle. Alors, 31 de blé. Voilà, et 24 de seigle. Hop. Je vérifie quand même que j'ai tout, ouais. Ça c'est bon, on va revérifier que je ne suis pas planté. 31-24, ça c'est bon. Il me reste juste qu'à trouver du blé. Et là, pour le blé, je n'ai pas le choix. Je vais être obligé d'aller au village d'à côté. J'espère qu'on aura le temps de tout faire sur cette première journée. On va y aller au pas de charge. Ce serait pas mal. Et puis pour l'autre quête de la chasse, bon, je vais attendre le lendemain, je pense qu'elle va me dire ce qu'il faut exactement comme animaux à chasser. Puis je ferai ça aussi, ça me fera peut-être quelques petits points d'ailleurs, je sais pas, ça me donne quoi là. De l'argent, des flèches en pierre, de réputation, ouais, et lui. Ah, il va me donner 200 technologies agricoles, ça c'est bon, ça veut dire qu'on va sûrement débloquer logiquement, les amis, regardez bien, la grange. Parce que ouais, je suis presque à 1500. Ouais, on va pas être loin de l'écurie après, hein. Ça sera la prochaine étape. Allez, encore un petit loup qui traîne. Je sais pas si je vais pas me le faire là, j'ai l'air tellement en forme. Regardez ça. Allez, c'est top. Ah, j'en ai vu un autre. Non, on l'entend. Je sais pas où il est, c'est pas grave. On va courir. Allez, on va aller à prochain village. Je suis bouffé dedans, je suis en train de chercher le nom du village. Ah oui, Denika. Denika aussi, je vais pouvoir acheter du blé normalement. On a un vendeur. Et après, on repartira vite à Gostovia. Avant la fin de la journée, je sais pas si je vais y arriver. Avec quelques sous, vu que j'avais coupé des arbres, des rondins là. Que je pourrais récupérer. Là aussi. J'ai ma pelle ou pas? Allez ouais, tiens, on va les récupérer tout de suite, ça sera fait. Puisqu'on est dans le coin. Puisqu'on est dans le coin. Allez, on va pas trop perdre de temps. Allez, direction la grange. Donc il m'en faut 44, les amis, hein, il m'a dit. Yeah. Oui, je suis ton ami. Ok. Ah, t'en as que 38. Et il m'en faut 44. Bon, bah, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc, moralité, il faut que j'aille à Rolnica. Prochain village. Et ben, on est parti. Ça risque d'être peut-être un peu juste sur cette journée. Faites voir, c'est quelle heure. 16h. Ouais, je pense qu'on va avoir du mal à boucler ça sur cette journée. Alors, comme c'est une quête importante, je pense qu'on peut quand même la faire de nuit. Au pire, on fera ça. Au pire, on fera ça. Oula, il y a du lapin là et du renard. Hein. Bon là c'est du live, hein. Il n'y a pas de coupure, il n'y aura pas de montage, on fait tout en direct. C'est le brouillard là. Bon, j'ai pas vu passer de nouvelles infos sur la mise à jour notamment du moulin, hein, effectivement, j'ai hâte aussi. Peut-être des choses à récupérer là, non? Non, il n'y a rien à récupérer. Ok. Bon, je pense par contre que... En termes de ressources, il va quand même falloir un paquet de rondins, je pense un paquet de planches, je pense que c'est quand même un bâtiment assez imposant. Voilà, et puis je vous dis, moi l'idée c'est qu'à mon avis, c'est comme ça qu'on... Enfin, je pense qu'on va faire la farine avec ça. Je vois pas ce qu'on va peut-être faire d'autre. Parce que moi, il y a une nouvelle chose, mais... Moi je vois que le côté farine, quoi. J'ai pas été bien lire, peut-être que vous avez des infos, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire.
sur la petite vidéo. Ah, on entend du renard. Donc on va aller voir Nadar, donc à Rolnica, lui aussi qui vend des graines. Dans le principe, je pense que je vais te trouver à la grange comme tous les autres. On va couper par là. Ça va, un paquet de brouillard, hein. C'est quoi, c'est du blé? Ah, sûrement. Allez, la grange est là. Il doit pas être bien loin. La mine d'art. Hop. Et où? Il était se balader. Greetings. Oh. Oh, bah il a peut-être une quête aussi. Tiens, on va peut-être voir si on peut le faire. Je vais mettre 36. Pas. 36 pour aller à 44, les amis. Donc il m'en faut 8. Voilà. Pareil, on va voir qu'est-ce qu'il veut lui. La tempête est très maison pour vous aider à rassembler des ressources. Ah, oh, bien sûr, il veut sûrement du bois et des machins. Je vais l'aider aussi pour la saison. Ça, je crois que ça me fait des points aussi de construction. Voilà, la technologie de construction, donc ça, c'est quand même assez intéressant. 18 pierres, 24 rondins. Et bah, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, je vais déjà lui donner les deux rondins qui sont là. Je vais vérifier que j'ai bien assez de blé. Ah bah j'en ai un peu plus que prévu. Pour le héros du roi, il va falloir que j'aille chercher de la chair, du fer, de la chair à poisson et de la viande. Oui, donc je suis obligé de repasser par mon village. Donc on va faire ça, on va repasser au village. Et on va récupérer ce qui va bien. J'espère que j'aurai assez. Eh ben oui, la grange vient de s'être débloquée vu qu'ils sont en train de travailler dans les champs. C'est pas grave. C'est ce qui était prévu. Donc on va retourner au village tranquillement. Bon allez, je vais vous faire cadeau du trajet, hein, et puis on se retrouve dès que j'ai tout ce qu'il faut pour aller finir cette quête du héros. A tout de suite. Bon, allez, je vous retrouve instantanément pour vous. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut et qui va bien. On va tout de suite aller voir Alduin pour lui dire que bah, je suis le meilleur chasseur du monde. Point barre, là, qui se la ferme un peu. Celui-là, il m'a déjà bien assez ruiné. D'ailleurs, il m'a encore pris 200 pièces sur ce coup-là. Allez, voilà. Ah, il est bien, super. Allez. On voit ça. Taille, 400 d'argent, un arc long. Bah, ça me rembourse un petit peu. Et puis, bah, on va attendre la prochaine saison pour voir ce qui le veut notre ami Alwin. Ouais, on peut dire que c'est notre ami, hein. Il nous a plumé. Bon, ensuite, on va aller voir Sobemir. Normalement, là aussi, j'ai tout ce qu'il faut. On y va tranquillou, les amis. J'espère qu'il est encore au boulot. Ah, on se calme les vaches, on se calme, à chaque fois ça m'énerve. Hein. Pff, oh. Allez, voilà tes graines. Parfait. J'ai aussi fait la quête à Rolnica là, sur la reconstruction, donc ça c'est bon. Et du coup, eh ben écoutez, les amis, on va aller voir le héros et on va lui donner ce qu'il a demandé en espérant que le roi soit heureux. Heureux, heureux. Il est sûrement encore à la taverne, toujours en train de se pochetronner, je suppose. Bon, voilà, bien entendu. Allez. Et voilà. Nickel. Ça nous fait 300 points de réputation. Donc, on grimpe, c'est impeccable, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ma réputation? La carte, voilà, j'ai une réputation qui est donc très, très, très bonne. Ça, moins 10%, je ne sais pas ce que c'est. À quoi ça correspond? L'opinion. Sûrement, il est content, plus ou moins, je suis à 5%, donc bah, j'ai rempli l'objectif du héros. Donc voilà, les amis, c'était notre objectif de ce petit épisode. J'en ai profité, je vous le fais voir. J'ai installé la grange niveau 2, j'ai aussi mis l'abri
d'abord niveau 2, donc ce qui va dire que je vais pouvoir mettre un petit peu plus de personnes dedans lorsqu'il y aura besoin. Bah, je pense que le village va commencer à grandir, les nouveaux bâtiments arrivant, bientôt l'écurie, etc. Au niveau des naissances, j'ai une, deux mères qui sont indisponibles. Je crois que j'en ai pas plus, donc c'est pas trop mal. Je vais peut-être pouvoir essayer de mixer, là, oui, hein, j'avais mis un petit peu à part les gens pour pas qu'ils fassent de gosses tout de suite. On va peut-être pouvoir les mixer, donc ce qui veut dire que j'ai deux places de dispo là. Et j'étais en train de construire une petite maison, voilà, qui est en cours. Voilà, je pense que j'en construirai une deuxième. Pas tout de suite y mettre du monde, je sais pas. Je vais voir pour la suite. Si je les recrute tout de suite avant l'hiver ou après l'hiver, je sais pas trop. Voilà. Les animaux, tout est ok. Voilà, j'ai été aussi attentif. Soyez, faites gaffe aussi de votre côté au niveau des coqs. Alors, je sais pas la relation coq-poule pour faire des œufs, mais en tout cas, moi, mon coq allait mourir. Donc, j'ai gardé un de mes poussins mâles qui est devenu adulte et qui va faire le coq. C'est le cas de le dire. Et puis, le deuxième, on le vendra. Ni plus ni moins. Au niveau des cochons, bah, je pense qu'on va peut-être bientôt pouvoir vendre si on veut. Bah, je peux peut-être vendre tout de suite d'ailleurs. Ouais, parce que j'ai deux porcelets femelles. Ouais, on va vendre tout de suite d'ailleurs. Ça sera fait. X, hop, 1200. Voilà, ça c'est bon. Et puis, je pense qu'on est pas mal au niveau de la thune. Vous voyez, on a 27 000. J'ai encore plein de choses à vendre là-dessus. Ce sera peut-être sûrement ma troisième journée de l'automne ou l'hiver. Je sais pas à quel moment j'irai faire cela. La technologie, du coup, on a gagné quelques petits points. Donc, on a dit qu'on a passé l'abri à bois, mais j'en ai regagné. Donc, prochain objectif, bah, c'est la mine. Voilà, donc on va peut-être pouvoir améliorer les outils. Et puis, avoir des choses un petit peu plus chères. Et puis, il nous restera l'atelier constructeur. Donc, ça, c'est ce qui permettra de réparer tout seul. Normalement, en mettant un gars, c'est lui qui va s'occuper de faire les réparations. Voilà, et puis l'entrepôt de ressources. On aura terminé sur cet arbre-là. La chasse, la survie du moins, il nous reste l'herboriste et les cabanes de pêche. C'est quoi cette cabane de pêche? Bah, c'est sûrement un niveau 2, je pense. Ah, il n'est pas indiqué, il doit y avoir un petit bug, ça doit être ça. Au niveau de l'agriculture, je crois que la prochaine étape, ce sera l'écurie, mais ben, on a avancé assez vite, hein, oui, ça va vite. Hein. On sera vite à l'écurie, la bergerie. L'écurie, donc ça veut dire des chevaux, des ânes, etc., pour pouvoir se déplacer, transporter des choses aussi. Bergerie, mouton, étable, c'est les vaches, les abeilles, notre pot de nourriture, et branche 3, voilà, tac, tac, tac. Et sur la partie production, bah, on se dirige plus doucement vers l'état du marché, ça sera bien aussi. On va pouvoir vendre sans s'en préoccuper nous-mêmes. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il va falloir qu'on récupère un peu du monde, parce que bah, ça risque de s'agrandir bientôt. Là-dessus, d'ailleurs, on a du monde tout de suite là. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences? Et voilà, je me suis encore trompé de touche, je m'excuse. Ça dit quoi? 3-3. Ah, elle est pas mal la fille là. Elle est pas mal la fille. Ouais, je recruterai plus tard, je vais réfléchir à ça là-dessus. Bon, et ben allez, les amis, on va clôturer comme on est arrivé à Gostovia. Je vous laisse à nouveau de Gostovia. Je continue, je vais essayer de passer la fin de l'automne tranquillement. Et puis l'hiver, et puis je pense qu'on se retrouve pour l'année, 9e année dans Medieval Dynasty. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas, mettez vos commentaires, vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait. Et Dieu sait si j'en fais mal. Hein. Et puis ben, si vous voulez, la petite cloche aussi de notification pour recevoir les notifications. Allez, salut les amis, ciao, bye bye à tous.